Départ du fameux parking du Kunté. On va traverser le petit pont. Après le pont, on ne va pas à droite, direction Pas de l'Arpette, mais à gauche. Interdit cette année. Juste après ce gros rocher, on ne continue pas tout droit, le large chemin, on prend le petit chemin à droite. On est presque en face de la cabane de Belle et Sébastien, la cabane des Gravières. L'an dernier, après les pluies catastrophiques du 2 octobre 2020, ça a méchamment raviné par là. Ça a emporté la passerelle. Mais bon, ça passe quand même facilement. J'ai parcouru un peu le sentier pour voir s'il n'y avait pas un départ d'un ancien sentier pour monter au Pas des Conques. J'ai rien trouvé. Donc ce que je vais faire, je vais monter directement dans cette trouée. À gauche de la grosse trouée rocheuse où il y a le torrent. Et puis là en face de la cabane des Gravières. Donc juste après la passerelle ou le passage du torrent. Pour éviter un passage dans les herbes, je suis monté par un petit torrent qui était à sec. Et là, on commence à voir apparaître un semblant de sentier. Bon, c'est pas vraiment un sentier, mais pour l'instant, il faut se maintenir sur les hauteurs à gauche du torrent. Ça grimpe facilement quand même. Alors, le sentier, ou plutôt la petite sente, on va dire, est un peu marquée par endroits. Du coup, quand on arrive dans la trouée, là, on passe un peu sur la gauche. Bon, peu ou prou, ça passe. En suivant le petit torrent, parfois un peu à droite, un peu à gauche, dans les myrtilliers, les framboisiers et les rhododendrons, sur lesquels on peut s'accrocher, c'est pratique. Ça passe. Le torrent est souvent à sec, je pense. Et là, on va voir là-haut ce qui se passe. Bon, c'est pas l'itinéraire le plus agréable que j'ai parcouru. Plus haut, on est toujours en vue des Gravières. Hein. On est monté quasiment tout droit. Au-dessus, sur la droite, on a le vallon La Passée, qui est barré par cette belle barre rocheuse là. Et là, je vais essayer de rejoindre les Conques en passant à droite de ce gros rocher arrondi et à gauche de celui-là. Donc il y a apparemment un petit passage là, droit vers une belle pointe qu'on voit en face. Alors déjà, rien qu'ici, le paysage est merveilleux. On aperçoit la cascade de l'Estrèche en bas. On est entouré de magnifiques montagnes. Et on voit bien le pont du Kunté d'où on est parti. En fait, on passe à droite du rocher rond, toujours le long de ce petit torrent qu'on a monté tout le long. Me voici au-dessus de ce gros rocher rond. On voit toute la Gordolasque en enfilade. Allez, je continue, je vais passer dans ce petit dièdre là, qui n'a pas l'air bien compliqué. Bon, faut mettre un petit peu les mains, mais c'est pas délicat du tout, ça passe facilement. Bon, ça doit pouvoir passer aussi juste derrière là. Et là, on continue tout droit. Je continue à suivre la petite crête là qui est sur ma gauche. Inutile d'essayer de la franchir, ça passe pas derrière. Donc je continue plus haut. Là, je suis
au-dessus du point 2184 indiqué par la carte GN, où il y a un ancien sentier en pointillé. Donc je suis trop à gauche. Il va falloir que je passe en face à flanc. Donc inutile de suivre la crête comme je l'ai fait. Je suis arrivé là-bas. Et arrivé ici, je suis toujours sur le pointillé de la carte IGN, donc je continue par là-bas. Alors, au lieu de faire comme j'ai fait, traverser plutôt le vallon vers la droite. C'est plus intelligent. On continue à flanc, c'est bien agréable. Oh, un joli monolithe. Et là, aux surprises, il y a un cairn. Donc c'est qu'on n'est pas loin d'être sur le bon chemin. Je ne suis pas tout seul. Encore un. Et voilà, il s'était caché. Un troisième. Qui disparaît aussi. Me voici au point 2200 de la carte IGN. Avec les chamois donc. Et là, on voit bien qu'il n'y a pas de passage. Donc le seul endroit où ça va passer, c'est au sommet de cette bande herbeuse, dans les éboulis. Très sympathique cette combe. Faut pas hésiter à longer un peu les falaises. Dans l'herbe, c'est plus agréable. Et là, je continue à monter pour voir où ça passe. Ça passe bien, il y a même quelques petits cairns par-ci par-là. Et maintenant, il va falloir se taper un monumental chaos rocheux. Mais bon, on va y arriver. À moins qu'en passant dans l'herbe, ça passe mieux. Et ben, ça passe très bien dans l'herbe. Donc, je vais continuer sur cette lancée. On aperçoit par moments le Cairo des Conques. Et peut-être le pas des conques, puisque c'est là que je vais. Là, je vais redescendre un peu pour monter de l'autre côté. Eh ben, ça passe un peu partout, il n'y a pas de problème. C'est un gros chaos rocheux et c'est pas terminé. On est bien dans le Mercantour, dans cet immense paysage minéral extraordinaire. Allez, on continue. Je pense que c'est la grosse pente qui est là, dans la brume. Mais bon, heureusement maintenant, on a des GPS. Je suis presque au pied. C'est par ici après que ça grimpe. Normalement, c'est pas difficile le passage, donc ça devrait être bon. C'est énorme! Alors attention! Plus on monte et moins l'éboulis est stabilisé, c'est classique. Alors là, c'est de la montée, hein.
En plus, il y a un vent terrible et il fait froid. Pensez à amener le bonnet et la doudoune. C'est pas dur, ça passe facile. Ça y est, j'y suis. Alors, c'est pas difficile. C'est dur par contre, ça grimpe très dur. Bon, c'est pas aujourd'hui que je vais faire le grand Capelet. Je vais poursuivre mon chemin en direction du Caire des Conques pour descendre vers le col de l'Arpette. Alors, si vous vous aventurez ici, n'y allez pas tout seul dans le pas des conques. Des fois que vous pétiez une cheville ou cassiez la tête dans un rocher, on ne sait jamais, c'est pas prudent. Bon, il est joli ce petit lac là. Après le pas des conques, on monte tout de suite à droite. On monte en travers, à gauche du gros rocher là, noir et orange. Un peu en direction de ce rocher pyramidal. On arrive sur une petite arête. Et là, on va descendre directement en direction du pas de l'Arpette qui est dans la brume là-bas. C'est facile. Aujourd'hui, le vent est terrible. On aperçoit un peu les lacs par un moment. C'est sympa quand il fait beau. Ces deux plantes dont je vous chercherai le nom sont tout le temps ensemble. La jaune c'est un cyrce et la rose je vais trouver. Il y a quelques chamois bien tranquilles. Je suis un peu plus bas. Comme je suis en dessous, ils sont moins inquiets déjà. Ils mangent peinard. Salut les chamois. Je continue, je vais prendre le chemin qui passe à flanc là pour rejoindre directement le pas de l'Arpette. Du monde au pas de l'Arpette. Profitons d'une éclaircie pour regarder un peu le paysage. T'as qu'à faire. Maintenant qu'on voit la vallée des merveilles avec ses lacs, c'est très joli. Alors nous, on vient de tout là-haut. Hop, ça passe tout bien là. Et au passage, eh ben, petite vue magnifique sur la vallée des merveilles et c'est là que et nous y voilà au pas de l'Arpette. C'était pas beau.
par ici, direct. C'est très civilisé le pas de l'arpette. Ils font des marches. Mais c'est chouette, hein. Alors, encore un chamois tout seul ici. Ici, il y en a souvent. Ah oui, il est carrément au bord du chemin. Apparemment, il ne m'a pas vu. Ah si, ça y est. Il est rigolo, lui. Bon, je vais essayer de l'approcher pour voir s'il reste ou pas. Bon, ben, il est parti. Sympa, ce petit ruisseau, là. Le sentier du pas de l'arpette est très sympathique. Bon, là, on passe auprès de la conduite forcée d'EDF. Mais sinon, c'est fabuleux. Ici, ça a été refait de neuf. Apparemment, suite à la tempête du 2 octobre 2020. Retour au parking du Kunté. Il y a du monde. Elle est pas belle, la Gordolasque, là ?